Eh bien salut à tous, c'est Alik. Avant de commencer ce top 10, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et aidé pour ce petit projet, et je tenais également à remercier tous les participants. Cela a été vraiment très dur de vous départager car j'ai reçu pas moins de 70 clips. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous serez partant pour un nouvel épisode dans quelques temps. Ceci dit, revenons à nos moutons et on commence tout de suite avec le clip à la 10e position. On retrouve donc Rip en matchmaking sur la map complexe. Il tue un adversaire qui lui tendait le dos, récupère son sniper, repère un deuxième, énorme noscope pour le double. Il repère un troisième, joli headshot, triple frag, bien joué à lui. On enchaîne directement à la 9ème place avec Epsilon Renox, un de mes coéquipiers, qui est sur Adrift. Il monte en top, gros headshot pour le premier kill. Il repère un deuxième en couloir, il attend. Il dézoome, mais c'est pas grave, fast cop. Malheureusement, le double kill ne passe pas. C'est pas grave, il continue avec un énorme noscope pour le double kill. Repère un troisième ennemi et bim! Triple kill dans le couloir du bas, énorme. À la 8ème position, on retrouve Hurricane de la team Burning Heads. Il est sur Onslaught, il effectue un premier kill dans la rampe, un deuxième kill au beatdown, double frag, il repère un troisième ennemi dans la box, il le finit, il était weak, il cherche le dernier, il est one, il le finit, il obtient l'overkill, mais attention, c'est pas fini, il enchaîne Hurricane, duel contre Kranus, il écrase complètement Kranus dans sa rampe, ramasse le double kill one shot, cherche le triple, il l'obtient, et il est en passe de réaliser le double overkill, mais il se fait éliminer. On enchaîne directement à la 7ème place de ce top 10 avec Mr. Tyler de la team Ambition. Il est sur Adrift et il va prendre la team adverse au split kill. Vous allez voir, avec son ball shot, il obtient le triple kill. Il défonce littéralement son 4ème adversaire au ball shot encore une fois. Fini un one shot pour le kill Tacula. Il sort son BR, il fait le kill Pro City et prend au spoon kill avec une grenade pour le Kilimanjaro. Bien joué à lui. À la 6ème position de ce top 10, on retrouve Sanka sur Ragnarok. Il est en team sniper, il prend ses adversaires à revers, se saisit d'un premier headshot, un deuxième headshot, un troisième headshot pour le triple kill. Il recharge, un quatrième ennemi sort, il le tue directement overkill. Kill Tacular avec un cinquième headshot et un sixième headshot encore pour la boucherie. Énorme sniper, GG à toi. Après avoir changé de musique, on se retrouve à la 5ème position de ce top 10 avec Kelebra. Il est sur complexe, il effectue un premier kill au sniper, un deuxième kill sur le ghost, un troisième headshot propre et un quatrième pour l'overkill. Malheureusement, il se fait piquer son kill tac, mais attention, ce n'est pas fini, on retrouve Kelebra 30 secondes plus tard dans la même game. Il est sur le toit de la base, il met one shot un premier adversaire, le finit avec son BR et là voit que tous ses adversaires sont dans la colline. Il désenchaîne au BR, il assassine un troisième pour le triple et magnifique no scope pour l'overkill. Bien joué à toi Kelebra. On continue d'avancer dans le top 10 et on se retrouve à la 4ème position avec SoCrunch sur Solas. Il a un sniper, il va nous faire une petite démonstration de skill mais à la fois de chance. Avec un premier headshot sur le top, il a vu que la boule était là, il attend tout simplement. Il obtient un double frag avec un deuxième headshot, un troisième ennemi et un quatrième qui se fait éliminer avec un headshot rebond. Un peu de chance quand même, mais c'est bon. Et nous voici maintenant dans le top 3 et c'est Squawk qui ouvre le bal avec un clip sur Haven en FFA. Il va nous faire une démonstration de snipe, il est contre des gros joueurs MLG français. Il obtient le double kill, le triple kill avec son sniper et Stanzi qui spoon et bim le noscope pour l'overkill. Énorme clip, GG à toi Squawk, énorme sniper. Et on gravit les échelons et cette fois on est à la 2ème place avec un autre membre des Synaptiques. Et oui, on retrouve Trèfle en 2ème position, il est sur Haven, il est en ball. Et ce clip va un petit peu se passer de commentaires car vous allez voir que Trèfle roule tout simplement sur l'équipe adverse deux fois d'affilée. Je vous laisse le son du jeu et les médailles. Voilà, le sanguinaire, énorme clip, bravo à toi, Trèfle.
Et voici le moment que vous attendez tous, le top 1. Je découvre ce joueur un peu en même temps que vous sûrement, et il s'agit de Fragger de la team Infamous. Il est sur Solas, il a un BR très très propre pour le premier kill. Il enchaîne sur un deuxième kill au BR, sort son sniper, loupe une première balle, mais c'est pas grave, énorme headshot pour le triple kill. Il cherche l'overkill et il l'obtient avec un énorme headshot pour l'overkill. Il faut qu'on le remate parce qu'il était vraiment énorme, regardez ça, l'angle est absolument improbable. Bravo à toi Fragger, tu mérites largement cette première place. Et bien c'est la fin de ce top 10, bravo à Fragger, Trèfle et Squawk pour votre placement. Vous recevez tous les trois les codes fournis par notre partenaire Lifeship 360 Code. Et chose promise, chose due, je vous mets le résultat du concours 800 Microsoft points. Vous avez été 178 à vous inscrire pour ce tirage au sort. Après avoir tiré un nombre au hasard, c'est Maxime Schmidt qui sort vainqueur de ce tirage au sort. Je t'invite, Maxime, à me contacter via YouTube pour te faire parvenir ton code. Bravo à toi. Et bien notre vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez apprécié ce top 10, je remercie encore une fois tous les participants, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour du gros halo sur ma chaîne après les vacances. Ciao à tous, ciao les boys, bonnes vacances.